Bonsoir et bienvenue sur JBTV officiel et sur page Facebook Jean-Bernard Georges pour 27e émission 30 minutes plus d'actu. Jeudi, c'est 18 novembre, c'est une date qui est chère avec tout Haïtien. Et date ça, rappelez-nous la bataille de Vetière. La bataille de Vetière, c'est un mot, c'est pas longtemps que l'y entré dans le dictionnaire français. Et grâce à Daniel Laferrière qui était bataille parce que la France pas jamais voulu reconnaître défaite ça parce que il dit que yon l'armée qui était puissant comme l'armée Napoléon Bonaparte et puis on les indigènes mettaient de la terre, yon fait plusieurs tentatives pour devenir une colonie hein? Et dernière expédition été fait à nous mêmes qui fait l'histoire, c'était 22 000 hommes dans 86 vaisseaux, mais l'armée indigène était victorieux et nous connaissons suite là, c'est les départements d'Haïti qui étaient proclamés le 1er janvier 1804 et date 18 novembre ça nous pas jamais oublier parce que c'est 100 ans 7 nous qui étaient coulés qui était bail pays à indépendance. Nous pas prêter dans l'histoire d'Haïti parce que j'aime dire nous sont date qui marqué haïtien mais il marqué l'humanité tout parce que noyauté dit comme ça que moun pas supposé vivre comme ça encore en Haïti. Pas supposé gain esclave. Eh bien, et ça qui dit dans la bataille là c'est que esclave t'est venu mettre et mettre t'est venu esclave, c'est ça que fait la France pas jamais admettre défaite ça. Yo d'accord toute défaite. Mais défaite et haïtien, défaite 18 novembre ou pas jamais d'accord lui, mais l'histoire écrit l'histoire fait net que yo voulait que pas de l'île. Et Haïti est venu première république noire indépendant et il était dit que ça pas supposé faire dans bord encore pour être humain esclave voire pour ta mettre noir esclave et bien ça t'est fini. N'a fait une page d'histoire ça n'a porté directement dans sport et surtout sport local. Jodi a n'a ba un petit page local quand même, pas gagne match mais demain gagne match parce que des gagne match à 8 heures et Cochafop programmé pour demain, t'es gon match jodi à li reporter, nous pas louer ça, mais gen match demain et puis calendrier 13e journée à sorti. Et m'a tout dit nous ça jodi a et moi gon gros problème dans studio, un problème d'énergie. M'a parlé avec nous là, moi peur pour live là et émission pas camper parce que gon gros problème énergie dans studio a jodi a moun ki a essayé nous être ensemble, moi pas énergie renouvelable, moi pas gaz, c'est soleil qui pour te recharger moi et puis pas de gain courant. C'est-à-dire que Haïti, Jean et Grégory, sont des criminels, c'est les cinq, dit que, je pas fini le message à nous, Greg, mais je me suis dit son message de sensibilisation que vous te voyez vous-même. On entre directement dans ça qui concerne le sport local. Dans le sport local, et vu le problème qui était gagné dans le match D2, que vous avez suspendu AS de Saline, et vous pas programmé encore. Et puis, il y a un gros problème dans le match Gonaïve, où c'est Gonaïve qui était déplacé. Et tout kasa yo et Cochafop traité yo et mais et li profite tout pour li jouer des matchs en retard qui était programmé parce que et semaine passée a pas de match mais yo profite de semaine ça semaine 18 novembre nan pour yo et programmer match qui était gâté yo soit c'est habit qui pas déplacer soit c'est problème l'appui. Un bien coach a fort programmé 3 matchs. Maintenant, 3 matchs, ça a gagné. Il y a une qui pas joué. Par contre, pour qui ça? Il y a juste mis reporté. Il y a pas bail pour qui raison. Hein? Nous parlons de programmation et match à retard 11e et 12e journée. Il y a 2 matchs et puis il y a un match jeudi. Mais malheureusement, match ça a reporté. On tombe directement dans match à retard 11e et 12e journée. On allez. Là n'a regardé sur écran nous là nous gagne match Juventus FC avec Baltimore. Match ça t'est programmé pour te jouer jeudi à 18 novembre. Moi pas connait raison, il juste m'était reporté, pas connait si c'est peut-être manifestation, pas connait si c'est qui s'est passé mais il reporté. Et puis demain 19 novembre gagne deux belles matchs. D'abord équipe Akaya a recevoir Violette de ce gelé Akaya t'a joué Ligue des Nations de la CONCACAF Ligue des Champions de la CONCACAF et match salté joué à Violette là pas de jouer. Eh bien Cochafort profiter de temps mort ça qui gagne
pour le programmer Mat Violette et Akaya. Violette après déplacement, pas oublier terrain Akaya son terrain qui sous suspension, Mat ça l'a joué à huis clos. Et puis toujours demain, équipe América la pour recevoir équipe Tempête de Saint-Marc là. Ça c'est pour demain dans match en retard 11e et 12e journée. Calendrier 13e journée a sorti parce que coach Afop dans réunion te gagne club bio. Tout bagage réglé. Eh bien, mais calendrier qui gagne pour 13e journée même match. Et samedi 21 n'a bien USR c'est Union Rival Tibonicienne qui a pu recevoir Cavalli. Cavalli sont belles lancées. Et puis tout reste match a joué dimanche 22. Dimanche 22, les deux Racines a affronté. Racine Club Haïtien a pu recevoir Racine de Gonaïve. Moi, je pense que Matsa a joué sous terrain d'Adadoua. Triomphe de Liancou a pu recevoir AS Mibalet. Juventus de Kay a pu recevoir AS Capoise. Et ça sont belles matchs. Wanamet a pu recevoir Baltimore. Américain encore cap jouer demain mais l'a joué dimanche 21 tout la pour recevoir et Don Bosco et ça sont bel match. Et puis Tempête Cosmopolite Fika a recevoir América et puis Real Hope a recevoir Violette, c'est-à-dire que Violette ni deux équipes, quatre équipes qui programmé demain yo y a programmé dimanche, c'est-à-dire que entre demain jeudi fin samedi dimanche, c'est-à-dire que non maximum 4 jours et quatre équipes ça gagne pour jouer deux matchs. M'pap fait un page local là, m'pap quitter page local là, ça m'pap ba nous classement et 12e journée. A pas oublier match en retard, c'est match 11e et 12e journée. Et ça n'a pas gardé sur l'écran nous là, c'est programmation 13e journée. On allait pour classement après 12 journées, mais il y a des équipes qui poko jouer 12 matchs. On allait. Tout d'abord, Real Hope toujours en tête avec 21 points. Cavalli, même force 2 points. 21 tout, mais différence et Real Hope là et c'est 9 pas Cavalli, c'est 5 pas oublier Real Hope gamer buteur championnat qui a joué la Kaeli, c'est Angelo Exilus qui fait 10 goals pour 12 matchs. Après ça c'est Racing AS Capoise 3e, Racing Club Haïtien 4e, Triomphe et puis Fanatic Don Bosco. Don Bosco pointé à la 8e place et Don Bosco pas le grand déplacement vraiment difficile et pour le faire. Et moi t'as souhaité que l'équipe Don Bosco a levé pied parce que Don Bosco sous 3 matchs nuls et ont défaite qui pas bon pour l'équipe Don Bosco de Pétionville. N'a quitté page locale là, j'aime dire nous si ta ouais live la coupé. Nous pas besoin relim son problème énergie cap casé moi. Et n'a quitté page locale là, n'a tombé directement dans page internationale avant d'aller dans éliminatoire Coupe du monde Qatar 2022 plus Ligue des Nations. Nous avons un dossier, nous portons pour là, c'est un dossier et basketball NBA. Moi, vite avec dossier ça, c'est parce que c'est un ami qui était relé moi qui dit moi ça que JB, est-ce que me ka expliquer lui qui ça qui draft NBA, qui ça qui draft là? Parce que tout le monde dit draft, il y a un paquet de jeunes réunis, il y a cité noyo, il est content, il y a relé yo et puis et tout le monde content. Mais draft NBA qui ça lié. Moi pour venir avec un petit dossier pour nous connaître qui ça là où yo drafté un joueur, yo pick un joueur, et ben qui ça draft NBA. On allait directement. Qu'est-ce que la draft NBA? Eh bien, c'est un processus qui ouvre porte pour tout jeune talent qui a brillé pour qu'a entrer dans NBA. Là où dit comme ça que jeune talent et jeune talent ça c'est pas jeune talent seulement qui sorti et aux États-Unis, il sorti dans tout le monde là. Sous besoin entrer dans la ligue noire américaine que le NBA ou obligé passer par draft flag. Femme dit nous c'est pas totalement tout joueur parce que joueur qui pas passé par draft là, qui pas draft mais qui entre dans NBA. Et ben qui ça lié c'est un événement qui toujours organisé dans mi-juin mais malheureusement avec COVID-19 là et événement ça pas organisé la mi-juin parce que nous connaissons tout jeune te gagné et COVID-19 NBA était vraiment en suspension. Eh bien, très franchise qui gagne NBA gagne pour pick des joueurs, c'est-à-dire pour choisir des joueurs. Eh bien, qui j'ai choix ça fait? Gagne 60 joueurs que vous sélectionnez, que 30 équipes ça yo gagne possibilité à deux choix en deux tours. Gros premier 30 joueurs qui défilent, premier 30 et franchise ça ou gain pour choisir
c'est selon besoin. Et puis dans deuxième tour là, gagne l'autre 30 joueurs tout qui était dans 60 là et 30 équipes ça yo gagné pour choisir. Mais ou qu'attendez que les draft a fait mon na draft un joueur et puis tout voyer là, ça le tout jeudi. Et tout draft les pour voyer là. Mais ça c'est des combinaisons n'a gagné pour expliquer puis devant. Et ben système ça qui s'allie. Soirée draft là, son soirée j'aime dire nous qui toujours fait dans mois de juin, mais à cause de Covid-19 là, la fête en novembre là. C'est meilleur joueur qui sorti dans tout monde là qui inscrit selon critère balle bay tout à l'heure là et puis commissionnaire NBA actuellement c'est Adam Silver qui relaie telle équipe qui dit telle équipe choisit tel joueur c'est pas commissionnaire qui choisit nous pas voir côté choix chasseur sorti d'abord gain ambition choix équipe qui mal classé yo dans NBA c'est équipe ça yo qui gagne possibilité pour prendre plus bon joueur. Mais qui ça vient remarquer ces derniers temps qui fait venir changer et méthode ça, yo vient avec une méthode loterie. Parce que équipe qui a perdu, qui ça te kon fait, yo dit que comme moi m'a perdu net, pour me pas perdre net, ça m'a fait m'a perdu tout reste match et puis m'pral prendre premier choix draft là. NBA vient remarquer ça, qui ça le fait lui-même, il fait en sorte de loterie. 10 équipes qui plus mal classé yo yo classé selon un algorithme de probabilité qui peut faire équipe pi mal classé a ligue plus chance pour prendre ça le first pick là a dit pour choisir en premier ça pas arrivé que c'est plus bon joueur non pas choisir yo bon pour choisir en premier nous kawe gende Kobe Bryant moun sa pas jamais choisir en premier Jordan Legend la porte NBA pas jamais choisir en premier ça il pas first pick et bien équipe là qui pour choisir parmi 60 joueurs ça qui repartit en 2 fois 30 ou qui pour choisir en premier mais équipe yo qui ça au fait gon bagay yo le que draft combiné à qui ça lié moi même ba non ti image pour nous comprendre draft 2022 hein? Draft combiné a c'est athlète yo passé au pain fin un mois ou bien un mois et demi avant draft là ça n'a regardé là c'est 60 et jeunes yo qui n'a pas gardé cap défilé dans calendrier là c'est 60 nègre à côté dans qui l'école dans qui université sorti et puis n'a pas gardé un highlight dans de tout joueur ça pour m'expliquer nous 60 joueurs ça yo reparti en deux tours de draft kounia là c'est pas jou draft là équipe la vienne choisir non gon bagaille le draft combiné a équipe yo invité athlète yo dans des séances. Et puis, yo gade des têtes verticales neg yo gade taux de graisse qui n'a quoi neg yo gade en vigueur yo, tout caractéristique physique sa yo passe au pain fin pour qu'on ait joueur ça, li gen telle qualité, mais qui sa li manke, est-ce que n'a besoin d'une équipe là? Est-ce que la, parce que gen de joueurs, y a prétend telle équipe drafté yo, et puis yo équipe là pas drafté yo, pour qui ça, parce que équipe là, c'est pas ça le besoin, il pas besoin jouer avec qualité ça parce que il est en fond screen, il screener tout joueur. Et ça qu'on regarder les Lonzo Ball et t'as regardé dans les Lakers là, Boston t'es besoin ni mais les là Boston dit que Boston pas signer avec lui parce que les mêmes destinations c'est les Lakers, mais là t'es screener monsieur, yo ouais monsieur t'as utile Boston mais il pas besoin ni. Eh bien, draft là, j'aime dire nous tout jeune talent qui sorti dans l'université, qui aux États-Unis, qui à l'étranger, eh bien, yo même yo inscrit selon critère sa yo sur banou là. Maintenant, l'on inscrit, et équipe qui gagne dans loterie yo, 10 équipes qui mal classé yo, yo font loterie avec pour qu'on qui est capable de premier choix, deuxième choix, jusqu'à dixième choix, mais yo fait draft là, c'est pour qu'à équilibrer NBA. Parce que équipe qui mal classé, sous année, c'est lui qui a possibilité de prendre plus bon joueur. Ou bien plus bon joueur, yo, parce que lui-même a deux chances. Ça peut permettre qu'équipe ça, les renforcer au fil des années. Par exemple, là, pour l'équipe Golden State construit l'équipe dans la draft. Chaque année, il prend un bon joueur. Il sorti dans 10 équipes qui pas bon, yo, et puis il vient de choix pour choisir pas. Avant reste 20 autres qui pibon yo. Ainsi de suite, yo pa Clay Thompson, yo pa Curry, yo pa Draymond Green, yo pa tout joueur sa yo construit équipe yo. Yo équipe ka Philadelphie,
tout bon joueur ou est fil gagné yo c'est dans draft li prend yo c'est rarement yo font échange yo prend Nelens mais ou pas que Nelens yo voyer l'aller yo prend Ben Simon yo prend tout nèg ça yo construit équipe yo et bien et ça fait que NBA ou après yo équipe la difficile pour le faire 10 ans à dominer parce que non seulement salaire ca pour pas permettre parce que l'op prend bon joueur ça coûter cher ou pas le bouger payer taxe pour ça ça est le taxe de luxe là mais équipe cap prend joueur dans draft yo après 3 ans 4 ans il y a une compétitif et laisse battre ça qui veut Golden State le Golden State met deux monnaie à Golden State c'est notre draft lui te construit dernier nous Golden State fait finale avec Cleveland laisse Kevin Durant pas là le champion c'est Kevin Durant c'est si jeune ça qui est sorti dans draft pour draft année ça pour draft 2020 excuse-moi eh bien un jeune que yo drafté en premier, deuxième ou troisième, nous parlons salaire là. Regardez bien. Yon joueur qui sorti en première position a dit que joueur va le drafté en première position. Hein? L'a fait 8 131 200 $ pour année. N'a pas gardé tout salaire là. Deuxième choix draft là. L'a fait 7 276 200 $. Et puis ainsi de suite, nous avons tout et salaire yo. Cela signifie que dans 30 premiers yo, c'est 30 premiers et NBA by là, li vin font total de 98.5 millions de dollars. C'est-à-dire que automatiquement on joue ou drafté dans NBA minimum ou ta ou a touché au strict minimum on a plus qu'un million de dollars. Ça veut dire que des nèg tant ou et la Melo Ball que Jordan by feu vert pour notre draft là pour aller choisir monsieur un bien son nèg qui ca varier ce selon choix parce que monsieur ca entre 3e ou bien 5e monsieur son nèg qui cap dans 4 à 5 millions de dollars un bien c'est comme ça draft organisé aux ailes d'abord c'est 30 franchises qui gagnent deux fois pour choisir dans premier tour là gagne 30 joueurs dans deuxième tour là tout gagne 30 l'autre joueur. Mais classement fait c'est selon comportement ou t'es gagné dans saison passée mais gagne pile équipe qui ça ou fait là ou a perdu yo besoin al prendre bon joueur dans draft là qui ça ou fait yo tomber cal yo cal blindé yo dit ah bon perdu net au moins m'a gagné premier choix un BNB a vienne corriger ça avec ça le loterie hein li font sorte de loterie ça sous dernier ou gagne plus chance ça va le tout premier non ou gagne plus chance ou pas dans l'autre et puis ça qui arrive dans l'autre rien l'autre pour ça premier pour troisième et ou pas gagner puis bon choix eh bien dans période ça n'a pas l'air c'est période de draft c'est période de jeunes qui va entraîner NBA eh bien jeunes ça ou pas gagner surtout ça qui dans 30 premier yo pas gagner possibilité pour yo toucher entre 8 millions de dollars et plus et 1 million de dollars et plus. Depuis que vous avez jeune ça, vous avez 30 premiers, pour 30 premiers choix, eh bien, tout connaît que au moins 1 million de dollars qui va tomber dans mes jeunes ça. Et c'est un système NBA fait, j'aime de là, non seulement pour renforcer l'équipe qui est plus faible, mais tout, nous, qui importance c'est que l'école, vous avez appris n'importe quoi dans la rue. Il faut rentrer dans NBA, NBA dit non, il faut qu'on passe et l'école. Golden de bagay nèg yo fè la ou ka sorti directement nan high school à 18 ans ou inscrit nan draft la. Nou gwan ti haïtien ça ka rive. Et monsieur le leader actuellement là monsieur dans tout États-Unis dans l'âge li, monsieur 9e dans classement et ESPN. Monsieur si monsieur et continue comme ça, monsieur pas pi bas que 15e. Ça veut dire que monsieur ka fè sorti nan high school directement inscrit nan draft la ou bien fait un an dans université Jean Scalte fait un an dans Kentucky après un an monsieur entré dans draft m'ta souhaité pas blessé li yaman kaide d'or suivez non ça monsieur Sonnek qui ka inscrit dans draft là parce que monsieur ta supposé fil l'école li en 2022-2023 monsieur ta supposé tout inscrit dans draft NBA ça c'est deuxième haïtien n'a gagné après Scal qui sorti Haïti et puis qui entré directement et qui allait directement qui allait dans draft NBA local jouer dans NBA parce que l'autre nègre c'est des nègres qui grandit aux États-Unis par exemple Nelens c'est papa la maman qui est haïtien Nelens fait Boston et Scal fait Haïti Scal grandit Haïti Scal quitte Haïti à 13 ans lui m'a parlé là lui a manqué de dos
li quitte Haïti à 15 ans. C'est-à-dire que 2023 a fait monsieur 18 ans, j'ai quitté à 14 ans, 2023 a fait monsieur 18 ans, monsieur a tout inscrit dans le draft là, pour tout, ouais, c'est le cas de possibilité pour l'entrée dans la NBA. N'a pas quitté de ce basketball, n'a pas entré directement dans l'éliminatoire Coupe du Monde. Et mauvaise nouvelle, moi, j'ai pour nous là, c'est que ça fait nous émission Tonti Jean commencer tard. C'est parce que nous avons une discussion avec Facebook là, pour question de droit. C'est yon seul match sous tout sa mbalba nous va banou à full screen parce que ni match Brésil là, ni match Argentine là, ni match et Ligue des Nations yo, c'est un seul match moi j'ai droit sous lui, c'est match la France seulement. L'Allemagne là qui prend 6 à 1, m'ba gen droit sous lui, mais c'est discuté à Facebook, li dit non. Et Croatie et Portugal là, moi pote le bruno, malheureusement m'ba gen droit sous lui, ni Argentine là, ni Argentine, Péroua, ni Brésil, Équateur et Uruguay, moi pas gain droit sur eux. Malheureusement, nous pas obligé garder dans écran qui derrière domaine là. En entrée, dans éliminatoire Coupe du Monde, zone CONMEBOL. La zone CONMEBOL là, et c'est un bel match. Brésil qui était en déplacement à Uruguay, tout le monde a prétendu match ça parce que. Brésil, effectivement, l'État fait victoire, mais victoire sans convaincre. Et test Uruguay, c'est un bel test pour lui. Et merci, Chapoua, et Wesley. Et je vais saluer tout le monde qui branche là. Et Mackinson, Frem, Patrice, Pierre, Patrice, Oulta, Oulta fils. Bon, mon petit coup de filet après l'émission. Hein. Et Wesley Chapoua, et Ted Félicien, tout le monde qui s'est branché. En allez. Zone CONMEBOL. Te gagné deux potes et deux matchs pour nous. C'est d'abord Brésil qui était en déplacement et Kai équipe Uruguay. Et match ça a plus le monde a prétendu parce que il dit que c'est premier gros test et Brésil pas le passer. Et bien Brésil passe test là. Alors fanatic Brésil le dit comme ça que pour monde qui connait cette émission ça et quatre à la suite, et bien Brésil fait le fameux quatre à la suite. Ça fait Brésil 4 victoires pour autant de matchs joués. Et absence Suarez a été pesé. Et nous avons ça. Mais Tabarez pas de l'autre bagarre. Il était obligé de remplacer M. Natakland par Darwin Núñez. Darwin Núñez qui font belle action dans 21e minute de jeu. Monsieur font trib. On cassé pied gauche. Et monsieur met un maman pain bas sur transversal et Brésil là. Et laisse ça, m'pas bon menti, Brésil t'es inquiété. Mais nous connaît Brésil reste le Brésil. Et bien, Arthur, pour aller hériter ton ballon, dans tête carrière, monsieur va le fond shoot, et puis shoot là, pour aller dévier. Ok? Et Jiménez dévier Boulan, 1-0, l'un a joué, 34e minute de jeu, et puis Richarlison, pour aller hériter ton centre de Lodin, et puis monsieur va le mettre coup de tête là, coup de tête décroisé, 1-1. En tombe directement dans le résumé. J'aime dire nous résumé à moi pas gain droit sous lit. C'est ça qui fait pas qu'à nous le full screen parce que nous connaît que Facebook en mode depuis ou pas gain droit la bloquer live. En aller là, on a regardé derrière Domela et Brésil là. Et on m'a quitté très discuté. Mais l'essentiel pour nous connaître, c'est que Brésil fait 12 sur 12 et 4 matchs, 4 victoires. Et moi pense que c'est pas Brésil fait un bel démarrage. J'aime d'abord dire li important que garder résumé derrière domna là et li important que l'ob joue genre de compétition ça parce que éliminatoire Coupe du Monde zone Amérique du Sud là c'est 18 matchs liés, pas oublier c'est 10 monde, c'est 10 équipes qui là ou va jouer 9 matchs aller, 9 matchs retour. C'est dit que 3 fois 18 ou ça me de là, c'est dit que ou gagner ou gain quantité va dire que Brésil là 12 ou 2e garantie que li pas difficile pour Brésil par dans 4 premiers. Vous comprenez? C'est dit que au 4 12 points et équipe nous pas le classement tout à l'heure, Venezuela et Pérou moun sa yo, c'est des moun qui a 0 avec 1 point. C'est dit que zone Amérique du Sud là gain 4 placés de B, 4 premiers tout qualifié pour Qatar 2022 et puis 5e là pour aller dans barrage. Et avec un pays, le plus souvent, c'est un pays dans la zone Océanie ou même pas qu'on est. Et est-ce qu'on ne leur pas font barrage avec un pays Afrique? Je ne pas songer, mais c'est toujours dans la zone Australie ou bien c'est Australie qui est toujours dans barrage avec eux.
ou bien yo ka jwenn un pays dans zone asiatique. Mais ça qui est important c'est que Brésil fait le plein, 4 victoires, 4 matchs, 4 victoires et pas gagné dans éliminatoire Coupe du monde dans zone Amérique du Sud là, pas gagné et c'est l'Argentine qui derrière d'Oli mais Argentine nous connaît, il était fait un match là Cali et dans Bombonera avec Paraguay et Argentine qui vient jouer Brésil tout de suite après. Et pas oublier c'est d'abord c'est Arthur qui t'a scoré l'andab joué 34e minute de jeu et puis avant pause là 45e minute de jeu Richarlison pas hérité de un centre et de loading et puis monsieur Balfont tête décroisée 2-0 tous les deux goals de fait dans premier mi-temps. N'a quitté Brésil, n'a tombé en Argentine parce que nous connaît et ça c'est goal Arthur là n'a regardé là et shoot là dévié, moi dis nous ça. Shoot là dévié parce que lorsque ça est centre en fait et monsieur fait tête de quoi alors et va pas le goal et Arthur là lorsque Arthur hérité de ballon là monsieur fait shoot là et José Marie Menes monsieur fou et puis le ballon mais malheureusement et c'est ballon qui dévié et puis gardien pas de faire rien là n'a regardé et deuxième goal là ça c'est coup de tête Richarlison là et puis Diego Godin na fin premier mi-temps monsieur va le mettre un coup de tête sur transversal là mais malheureusement et il pas goal 2-0 pour équipe brésilienne là 4 matchs 4 victoires n'a quitté Brésil n'a tombé directement dans Argentine Pérou alors Pérou Argentine parce que c'est Pérou qui t'a pour recevoir eh bien Messi dit un bagage dans après match là que moi remet monsieur dit comme ça que petit n'a vinn plus fort ça signifie que nous sorti dans et Paraguay nous fait match nul et puis trois autres matchs trois victoires trois matchs ça fait trois victoires ça dit que 9 points ça fait 10 points et bien après match là monsieur félicité coéquipier lui après victoire sur Pérou hein. Et c'est d'abord Nicolas Gonzalez 17e minute de jeu qui était ouvri score là et puis Lautaro nous connaît bon petit joueur Martinez 28e minute de jeu encore deux goals ça au fait dans première mi-temps et une bagarre pour nous retenir dans victoire Argentine ça depuis 2002 alors bon petit 2000 depuis 2000 Argentine pas jamais gagné une série de victoires comme ça. Actuellement là Argentine a 11 matchs sans défaite. Nous pas comme ça. Et toute victoire Argentine fait dans éliminatoire ça c'est en dehors et de Argentine li fait. On allait équipe Argentine là 11 matchs, 11 derniers matchs yo. Li pas perdu et puis deuxièmement faut nous monter à année 2000 pour nous joindre en Argentine qui démarrer en éliminatoire Coupe du monde comme ça. C'est-à-dire que même le nous Argentine a mal joué mais par rapport à Brésil, OK, mais par rapport à ça Argentine dès qu'on fait notre Coupe du monde yo, Argentine ou pas gagné pour dire Scaloni parce que moun qui était passé avant lui, il fait mieux que yo. On tombe directement dans résumé et Argentine là j'aime dire nous Argentine là comme pas gain droit sur lui, c'est-à-dire que si mal ba nous Argentine là et Facebook a bloqué live là. On allez. Pérou Argentine pas oublier match ça c'est en déplacement. N'a pas rappelé encore buteur yo c'est Nicolas Gonzalez 17e minute de jeu et Lautaro Martinez 28e minute de jeu hymne national n'a regardé là et équipement deuxième Argentine vraiment belle et pas oublier moi dit nous ça que pour nous jouer éliminatoire Coupe du monde presque parfait deux équipes Argentine là faut nous remonter à année 2000 pour nous on démarrage aussi bien deux équipes Argentine là et actuellement là Argentine invincible depuis 11 matchs. On allait m'a démarré et Messi jouer bon nous connaissons Messi c'est Argentine dans son l'autre Messi l'aime ce gars qui m'a organa sur son l'autre Messi tout et bon nous on mettait Messi mettre sur écran mais gade mon qui dit mon cher c'est Lautaro pour te mettre c'est Gonzalez pour te mettre mais nous connaissons c'est Messi qui met équipe c'est Messi qui c'est ça le dîner équipe là pour faire et si le Scaloni qui va aller demain ou avoir un peu et bon Argentine n'a mettre la terre. Et c'est ça qui est important, faut nous retenir que Argentine font victoire en déplacement et ça fait troisième victoire consécutive pour équipe et Argentine.
et garder résumé à l'âme bien dit comme ça que moi pas ca et mettre le full screen parce que moi qui suis testé là avec Facebook là Facebook bloqué toutefois yo et ça c'est une pénalité à garder dans voir s'il était pénal et pour Pérou mais il a regardé yo ouais pas gagné et match continué encore une fois victoire de équipe et Argentine arbitre dit je boule et après 4e journée zone CONMEBOL là qui j'en ça présenté on a regardé nous gagnons Brésil en tête avec 12 points j'aime dire nous derrière nous c'est 4 tchèques vert ça dit c'est 4 matchs 4 victoires Argentine avec 10 points 3 victoires 3 derniers matchs 3 victoires avec match unité fait avec Paraguay la caïna bombonera Équateur qui t'est bat et alors qui t'est perdu et avec 9 points alors Équateur t'est bat excuse-moi Paraguay avec 6 points Uruguay défaite ça mettait à 6 points cela signifie que actuellement c'est Uruguay qui gagne place barragiste là et puis dans fond classement n'a regardé c'est Pérou qui fait 1 point seulement et puis Venezuela alors Bolivie excuse-moi qui fait 1 point Venezuela fait une victoire et Venezuela a 3 points n'a quitté zone CONMEBOL là n'a tombé directement dans Ligue des Nations. Pas oublier moi dit nous comme ça que Ligue des Nations hein, peut-être qui ça au plus faire li c'est parce que pour éviter gagner tout match amical sans importance ça yo. C'est ça qui fait nèg venir avec idée Ligue des Nations hein. D'ailleurs son bagage son tournoi ou bien son championnat ou même bay coupe pour lui nous changer dernier c'est Portugal qui était prendre sur la Hollande et année ça fanay faut là li défini l'Allemagne était gain destin là mais nous voyons que j'ai l'Allemagne coulé tout à l'heure nous pourrons résumer match ça Portugal l'étape joue match avec Croatie pour moi même pour du beurre parce que qu'est-ce que j'en ai dit la France a fini en première position et la France qui bat et puis et supposons c'est l'Allemagne là on tombe directement dans résumé Portugal Croatie là nous dans groupe 3 dans Ligue A parce que moi dis nous Ligue des Nations gain Ligue A gain Ligue B nous la Ligue A et bien fana il faut la définir d'abord Croatie t'a pour recevoir équipe Portugal là match a été 2-2 jusqu'à 90e minute de jeu et bien c'est Robin Dias qui va le faire goal là qui va le délivrer équipe et Portugal là Cristiano Ronaldo t'a joué mais il pas marqué on tombe directement dans résumé ça j'aime dire nous Facebook bam problème qui fait nous pas joindre résumé ça full écran en aller n'a regardé derrière de là ça c'est premier goal là là n'a joué 29e minute de jeu Mateo Kovacic 1-0 pour équipe Croatie et puis dans deuxième premier mi-temps pour finir 0-0 deuxième mi-temps et Robin Dias pour faire premier goal lui parce qu'il peut faire deux goals là match ça pour mettre match là 1-1 et puis Portugal pour prendre avantage là avec João Félix 8 minutes après et soit la 67e minute de jeu mais Mateo Kovacic qui était fait premier goal dans le match là monsieur pral égaliser pour équipe Croatie à la 65e minute de jeu et puis match pral dérouler jusqu'à arrêt de jeu et Robin Dias pral hériter un ballon et puis monsieur pral mettre le dans camp victoire pour équipe Portugal là mais son victoire qui sans importance parce que la France gagne tête classement c'est la France pour qui qualifier pour final four là. Pardon, n'a pas gardé résumé là et m'a gardé deux trois commentaires et Didier Dani internet l'a tué Didier Dani c'est pas faute moi et nous connaissons Haïti d'ailleurs nous gros problème courant là pendant m'a parler à n'importe le live là qui a coupé et puis et Jano et Junior Merville moi c'est petite Mitou hein Junior Merville moi c'est petite Mitou pas son Jano et Nadim ça n'a écrit moi et Mitou gros ancien dirigeant Don Bosco nèg qui te kon fè football sérieux et promotion Isaac nèg sa yo et Mitou son nèg moun te gran pile respect pou li n'ap gade derrière dom nan la résumé Croatie Portugal la pa bliye match sa fini 3-2 pour Portugal mais c'est un match qui était sans importance parce que et ça nous pral gade derrière nous pral gade en full screen parce que moi gen droit pour ça et la France fait une belle victoire sur équipe Suède là
Il y a bagarre pour nous retenir match à fin 4-2 même le la France prend deux goals mais la France bien joué et entraîneur et joueur satisfait la France vraiment clôturé année et 2020 et d'ailleurs Didier Deschamps dit ça et tout joueur dit ça il dit que et année 2020 yo bien clôturé li mais yon fait marquant dans match ça c'est Olivier Giroud qui fait deux goals et Kounya monsieur vraiment installé comme deuxième buteur la France derrière Thierry Henry et c'est des bagages où t'as dit ça où t'as dû mentir on côté Trezeguet passé on côté Cantona passé tout le monde a passé oui et puis c'est Olivier Giroud monsieur font un super goal tête en tête plongeante ben monsieur a écrit l'histoire où on n'a pas d'accord avec où il a dit pas qu'on jouait ou bien ou pas mais style lui mais c'est deuxième meilleur buteur équipe française là et pour la France là nous gagnons full droit. Nous parlons de ça sur plein écran. On allait pour résumer la France, Suède 4-2 pour l'équipe française. Attention à Suède, c'est bon. Il remate et au goal. Klaassen. A fazer 1-0. Gol de Suécia. Dizíamos que tinha de aproveitar as raras oportunidades que teria e eis que... Aí agora este desarme, Pogba deixou-se antecipar a bola em Kulusevski. Pode ser aqui cruzamento. Bola na área e está a saída de bola para Pavard. Cruzamento é rasteiro, Griezmann no toque. Hernández. Sai um cruzamento. Hernández, chute desfio de Lindelof e canto para a França. A jogar de início. Olha para lá. Sai o cruzamento. E Olsen. Dani Olsen. Toquezinho. Bem jogado. O cruzamento é bom. Trabalho. Olsen toca curto para Berg. Procura a devolução. Muitos franceses pelo caminho. Aqui. Na Sport TV. Klaassen, o autor do único gol da partida até agora. A enfrentar Lustig. Vai para o drible. Giroud. Atirou. E o golo. Golo de França. 16 minutos, empata a seleção da casa. Giroud, que pontapé. Thuram, que habilidade. 1-1. E aí está. Klaassen, passe direto. Sai bola de pé direito. E atenção aqui. A receber as indicações. Está a Sissoko, mas o assistente a levantar a bandeirola. Falta de Moussa Sissoko. Lindelof para Lustig. De mau passe, Giroud a recuperar. Bola aí para Lindelof, Giroud com a bola de calcanhar. Passão. Bola ainda agora de um lado para o outro. Pogba. Três homens de volta do médio, recuperação, mas com falta em ninguém. Concorda do lado sueco. Pressão agora dos franceses. Olsen tirou a defesa esquerda. Ela entra aqui em Kulusevski. Vai sozinho, procura Berg, está na área. Thuram vai novamente à procura de um adversário. Sai aqui uma falta agora de Thuram. Para a área, mas atrapalha-se Berg, não conseguiu chegar primeiro. Lá vai Rabiot, solta de novo para Antoine, agora sim Giroud está na área. Griezmann, ui ui ui, que grande finta e o remate contra o adversário ainda para Pavard e o golo! Reviravolta! 2-1, marca a França! Conte o Rama a abrir o livro! Cura Griezmann, o corte não sai muito bem. A primeira, a segunda parece Thuram. Rabiot tirou e Olsen a ter de se aplicar. Thuram vai novamente para cima do Lustig. Atenção agora à Suécia. Kulusevski, bom trabalho, cruzou Timan. Antoine Griezmann, mas há aqui uma falta. Não conta este belo remate. A rodar, bem.
Smash the ball. Et pour lancer ici, j'ai un poste de Deschamps. But... De nouveau, bola rolar, avançada para frente, corte de cabeça. Dan Garcia procura aqui. Um toque de calcanhar, bola em Kulusevski. Rabiot, demora. Mas a França lida bem com este momento. Griezmann. Tentava o passo para Giroud. Olha para a área, procura Giroud, dominou, ajeitou Griezmann por cima. Kulusevski, bom cruzamento e o golo! Marca a Suécia! 3-2! 3-2 e atenção porque temos jogo! Quaison! De Kylian Mbappé, parece Griezmann, não há ninguém na baliza, Coman tirou! 4-2 para a equipe francesa lá e Giroud, doublé. Et Pavard et Clincy Coman qui nous est dernier goal là que quand vite gardien est en montée et puis monsieur pousser boula dans camp n'a salué Deboudier Junior Bellevue qui sous live là et Deboudier fait parler oui fait parler football et pour finir toujours Ligue des Nations nous est monsieur Baye la France en full screen c'est parce que me gagne droit sous lit et mais match l'Allemagne là moi pas gagne droit sous lit moi pas ca Baye full live full screen alors. Et la France qui était en déplacement, s'il vous plaît, sous terrain Portugal là, alors sous terrain l'Espagne là, et l'Allemagne, excuse-moi, t'es gagné destin là même. Yon match seulement, l'Allemagne t'a qualifié pour Final Four. Malheureusement, et Sambral dit nous là, faut nous remonter à 1931 pour nous. L'Allemagne prend 6 goals dans la meilleure équipe. Eh bien, l'équipe l'Espagne là, même son match inattendu. Faut me dire que, gros formation, l'Allemagne là, t'es là, oui. C'est pas pour tout, c'est équipe B ou bien équipe C ou mettez non. L'Allemagne était joué avec, malheureusement, qui prend tous les 6 goals. Eh bien, 6-0, Alvaro Morata, 17e minute de jeu. Et, Ferran Torres fait 3 goals. D'abord, premier goal de la 33e minute de jeu. Et Rodri, nous avons joué ça, fanatique et Liga, nous connaît monsieur bien. Et 38e minute de jeu. Ferran Torres pour faire 2e goal, 55e minute de jeu. Ferran Torres pour faire 3e goal dans le match, encore 71e minute de jeu. Et puis, dans la fin de match là, nickel, pour le conclure à 6-0. Mais je regarde le match là. D'abord, son match, je ne suis pas en direct. Je regarde le sous live score. Je me dis non, il n'est pas vrai. Quel est son autre match? Je regarde 6-0. Je me la caméra pour regarder le match là. Je pense que ce n'est pas 6-0 seulement. Et l'Allemagne était capable de l'Allemagne était capable plus. Et humilié, c'est tout ça qui sorti. Et il a crasé l'Allemagne. Il a humilié. Il y a pile monde qui m'a dit ah nous allons parler parce que voisin a été pris 7-1 tout. On est fauché. Mais c'est du passé. C'est match qui a été compté parce que destin l'Allemagne était dans l'Allemagne était juste un match nul pour te prendre tête et groupe là et pour te aller dans final four. Après match là opposé Joachim Löw question, il dit que gagne des joueurs qui étaient champion avant 2014 qu'on voit à la retraite et qu'a joué bien. Dans l'équipe, par exemple, Thomas Müller, Boateng, Mounsayo, peut-être qu'ils ne sont pas rappelés, M. Tike lui-même, il pensait que Folbay jeune, chance. Mais, M. conscient que, pas de gain engagement, pas de gain précision, c'est la première fois lui-même depuis l'élder équipe allemande là pour le voir, ont si mauvaise prestation. Jean-M. Dia, c'est une soirée noire pour l'équipe allemande là. Est-ce que monsieur pourrait faire appel à des hommes comme Thomas Müller, Boateng et Mesut Özil, je ne sais pas. Mais humiliation ça ni board et fédération allemande l'a pas prendre bien, ni média allemand yo, yo pas prendre ça bien, yo critiquer Joachim Löw en pile. On tombe directement dans un résumé allemand là, malheureusement, moi pas gain full screen pour ba nous, m'ta remé bay et allemand là full screen mais malheureusement, moi pas gain ni d'abandonner moi.
Espagne, l'Allemagne. Je vais me quitter son comme ça. Au moins d'après son stade là. Ça, c'est Morata, 17e minute de jeu, qui marque là. Et Tilouen qui est content. Mais nous connaissons l'Oabu à l'Allemagne mener 1-0. C'est pourquoi ça. Eh bien, l'Allemagne qui pensait que le tapal retourner dans le match là, j'en compte faire parce que ça n'était souterrain. Tout le monde sait que tout n'était souterrain. Eh bien, c'est pas ça du tout. L'Allemagne pral prend un raclé. Et c'est un match pour l'Allemagne blie rapide, mais pendant la blie là, faut que lui prenne le son de ça. Parce que yon équipe allemande qui te prend 6 goals dans le match, j'aime dire nous c'est 1931, côté c'est Autriche qui te barre et score ça 6-0. L'Allemagne pas jamais prend score ça vraiment dans mes équipes depuis 1931, et bien hier, les prennent dans le dernier match pour l'an. Et match nul pour l'Allemagne, mais malheureusement, et n'a pas gardé, et boule tout transversal, et goal. Et Neuer a pris boule là 6 fois dans filet. Et Morata n'a pas le buteur encore. C'est d'abord Ferran Torres qui fait 3 goals dans le match là, 33e, 55e et 71e minute de jeu. Morata a ouvert ce score là. Et puis Rodri a participé dans la fête là tout. Et humiliation pour l'équipe allemande là. Et Neuer pas qu'à faire rien. Donc on est Manuel Neuer, son gardien à 20 mai. Mais hier, c'est 2 seulement le gain. Et chaque fois, ma prétend, les mouvilles Ligna ont posé une question sur Ibo Basket là. Et ma prétend directement, c'est une bonne nouvelle pour Ibo Basket là. Et en fin de garde, résumé Allemagne-Espagne là. Et l'Espagne qui tout qualifié lui-même pour Final Four là. Non, humiliation que Libye, Allemagne hier. Dans le dernier match pour le groupe 4 là, et grand pile, j'aime dire notre titre là, c'est humiliation, c'est atomisé. Mais notre équipe qui prend 6-0, c'est pas atomisé, atomisé seulement. Son missile Thomas, même qui tombe la caillou. Et malheureusement, ça c'est ne veut pas qu'à faire rien, superbe. Et ça c'est Ferran Torres, ça c'est 3e goal, monsieur, dans le match là. Et puis nickel pour le faire 4e goal là à la 89e minute de jeu 6-0 pour l'équipe l'Espagne la correction. Moi énergie en campé toujours. Ben me descend parce que me va le prendre et Facebook yo. Et j'aime dire nous l'essentiel pour nous connaître c'est que l'Espagne prend tête groupe là, groupe 4 là et c'est l'Espagne qui est qualifié pour Final Four là. Et la France depuis le défi de battre Portugal là, l'équipe était peut-être groupe là, a dit que Portugal pas capable joindre encore. C'est deuxième équipe qui qualifiait pour Final Four là. Et moi c'est son bel bagage lié pour équipe en Europe yo, au lieu de jouer des matchs sans importance et Ligue des Nations ça ligue importance. C'est équipe qui dernier ou descend dans Ligue B, deuxième, troisième a toujours été et puis premier a pour aller dans Final Four. Gagné, j'aime dire nous que plusieurs et ligues de la nouté dans Ligue A. Mais équipe Kankou et Moldavie, Malte, Mounsayou, c'est Mougui dans C. Équipe Kankou et Angleterre dans A, mais malheureusement. Bon, équipe Kankou et la Suède, malheureusement la Suède suppose descendre dans Ligue B. Parce que il n'y a pas fait moyen que la Suède bon dernier dans le groupe là. C'est tout ça que nous avons porté pour aujourd'hui. Hein. Nous allons passer avec un moment Facebook. Yo. Pas oublier nous carrelé dans le numéro nous parle qui est affiché sur écran nous là si vous voulez participer et c'est 37 02 85 52 s'il vous plaît et bam juste faire un petit et connexion et pour me prendre mon Facebook moi yo normal parce que j'aime dire nous que m'obligé ajouter un mixeur pour me ka gagner bon son sous plateau m'a juste connecter nous et puis s'il vous plaît n'a prélé. Nous retournons et nous avons pris appel, moi Debaudier, moi Wesley, moi Vladimir Louis, moi Jeannot, moi tout le monde qui est en ligne, monsieur. Après, tu en appelles nous,
Nous avons le numéro de téléphone déjà, nous carrément sur call direct, nous carrément sur Facebook Messenger. Je vais prêter une ou deux appels parce que je ne suis pas prêté jeudi. Je me dis que l'énergie renouvelable n'a pas marché bien. C'est sous roue libre moi là. Je souhaite que l'énergie n'a pas la game. Et dans la rue, pour 3 à 5 minutes, moi été pour émission finie. Pas oublier demain, je vais inviter, je vais parler d'un sujet que je vais annoncer sur page et Facebook là. J'en te gagne Ted Philistin jeudi passé à qui te fait une belle prestation sur plateau a. Malheureusement pas de tête en image, mais moun m'a bien demain m'a gagné en image pour nous kaweli et nous pas parler d'un bel sujet. Moi passé son sujet qui casse au basketball avec draft ça et Jordan, LeBron James et Kobe Bryant qui mourir parce que nous pas football là déjà, moi pas connais m'a regarder qui sujet qui puis bon. Qu'à mettre le mais moi parce que invité m'a gagné son Facebook parce que j'aime dire nous c'est Facebook qui m'apprend qui gagne droit la parole parce que c'est eux qui supporter l'émission c'est eux pour gagner la parole par exemple l'aime prendre quand Jimmy Osas me connaît que on va parler avec de Milan AC de Real Madrid l'aime prendre Sinche Baptiste me connaît on va parler avec de Messi de et Chicago Bulls mais c'est Chicago Bulls et Port Pippen Jordan vous comprenez ou bien me gagne la grande c'est le bon Dieu me semaine pour mêler le tout. Ma prête un appel de monsieur et Wesley Champois et monsieur Rélé et moi gagné yon moun ki rele là et talè. Oui allô. Allô bonsoir Jibé. Bonsoir. C'est Vladimir. Vladimir. Ah ou wow, j'en bien passé. Ah bien content. Ya. Félicite pour toute l'activité là. Ah bien, pas de problème non, ce qui je veux réagir là. Et émulation l'Allemagne là et draft flamme se t'expliquer là et ce qui ça bon m'pas dire que et sur le commencement et émission c'est juste une affaire parce que me dit que l'activité m'ta revenir. OK bon, moi je voulais réagir sur deux sur et basket et football pas de problème réagir sur sélection brésilienne là. OK à savoir pour tout ça qui sont pensés de tisser par Jam et Alizien et Vinicius et dans la poste de départ et sélection et brésilienne. Parce que j'ai regardé le niveau d'équipe là parce que c'est Vinicius déplacé amplement dans l'équipe ça. Mais moi pense que monsieur pas gain place dans 11 de départ là. Moi pense que faut Tite a utilisé Jean va utiliser dans Madrid là. Parfois Zidane qu'on mettait le après Sergio Silva pas mettait lui parce que monsieur pas efficace. Moi pense bon ça au bon pour monsieur oui. Li important. Bon ça au bon pour monsieur. Pas oublier c'est des matchs que Brésil a joué Brésil pas jamais carton des matchs. Vous comprenez? Brésil pas carton des matchs, c'est des matchs Brésil gagne même où le Brésil gagne 2-0 mais nous avons regardé match Uruguay hier, c'est un match et bon chance pour Brésil, Suarez gagne COVID-19, Suarez pas joué. Mais si soit est joué dans point d'attaque là, moi garantis son le match t'a joué. Mais même effectivement, monsieur pas joué du tout en bon problème, mais starter dans Brésil pour le moment là et m'pas ce qui est. Monsieur là, monsieur Gaz toujours. Oui. Moi j'ai un autre c'est concernant et suspicion que Den c'est qu'à rejoindre et Brooklyn Nets à savoir Kyrie Irving avec Kevin Durant. Oui. Est-ce qu'on pense que au trio comme ça marche parce que moi t'ai expliqué le dernièrement c'est trois nèg dans trois nèg ça gagne unit mais qui joue isolation Harden c'est l'isolation seulement joué nous tout compte ça Kounia là est-ce que d'où est son nèg six ballons en sort dans 10 attaques faut gagner au moins 6 ballons. Alors, bon, dit au moins 5 qui passent dans le même monsieur, 7 au maximum. Kyrie Vinson qui est semi-isolation. Est-ce que Mahonez a pris avec 3 nègres ça? Forme de guider NBA, des anciens joueurs qui réagissent ça, oui. Par exemple, des nègres qui réagissent, qui dit que 3 nègres ça va marcher ensemble, non? Moi, je pense que c'est un peu la main, ça va pas marcher. Parce que je trouve que c'est bon, il doit faire un pack à match ensemble. Parce que c'est pas parce que chaque nègre voulait paraître comme si on était appelé. On jouait pour Harden. Dans Houston, j'en disais son équipe en isolation. Seulement.
Est-ce que monsieur pourra l'accepter pour l'homme et Kevin Durant? Pas pour ça. Bon, talent pour talent, l'obligé, oui, l'obligé. Parce que ce gros équipe a besoin de battre ou pas plaquer pour la même Harden, c'est la même deux ou trois plaquer. Jamais. Vous comprenez, tu as dit que c'est tout bail ça. Et moi, pense que c'est un bel dossier, même moi, tu es venu avec le dernièrement. Et il y a deux trois mouns qui te réagi qui te parlé ça après ça mal l'irréal et l'irréal dit que ça va pas marcher parce que trois nègres c'est trois nègres qui aiment les ballons qui j'aime ça va le marcher et moi pas connais et puis nous connaissons des gars gros salaires tout douet parce que femme dit nous que James Harden refuse 50 millions de dollars oui dans Houston pour la faire pour décider faire Big Tuan on va pas dire que si on est qui décide faire Big Tuan mais bon de tout si nègre conscient de niveau basketball yo yo qu'a entendu moi garde que ce équipe ça déjà dans finale lui yo gien pour prendre trois bons exactement depuis yo qu'a entendu Harden d'accord pour dire moi m'a retirer 30% dans jote moi pour me partager la douette avec Kyrie Irving dit monsieur m'a retirer chaque nèg retire 30% dans jote yo et puis 30% ça dit 30% commun et puis nèg yo est à 70% de jote pa yo ce équipe cap ban pile problème m'a pas bon menti parce que regarder et dans les regarder Anthony Davis avec et LeBron James. Non, deux nèg sont complémentaires. C'est deux monde qui complémentaires. Il y a nèg qui était Godel, une pas superstar sur l'autre. Donc non soirée, c'est Anthony Davis qui enflamme le ballon tout ballon. Laisse LeBron pour la police parce que c'est que en bas en dessous. Ben m'absuive, son dossier m'absuive et m'ta un match de la fête et puis pour moi équipe ça est-ce qu'elle pas faire finale l'année ça? Alors on dit 2021. Vladimir lui et depuis Haïti qui t'a participé avec nous et son bel sujet et sujet Adenna et m'a développé dans l'émission et lundi hein. Moi souhaité que mayonnaise prend entre deux trois nexa si vraiment étude l'a fait parce que son bagaille et qui en devenir et me pensais que après et draflan et toute équipe yo pral vraiment intensifier négociation hein, et puis pour signature comment c'est fait. Moi qui apprends un autre Facebooker encore, mais pas oublier demain, n'a pas émission, n'a pas avec un Facebooker que je vais contacter après émission pour me faire des tests avec lui, pour me suivre certain que tout bagage marche bien. Et puis pour me faire un Facebooker, je ne sais pas match la France et je ne sais pas la France full screen. Nous ne pouvons pas aider au moins, nous ne pouvons pas tenir le téléphone seulement. N'a pas well, en plein visage, li, tout ça l'a fait côté de Chita pour nous expression visage. Li. Si la baie c'est tout, ça analyse de Green Gouache n'a pas ça. Et Wesley, relais-nous. Massillon, relais-nous. Je vais prendre deux mounis et puis avant de finir. On a les messieurs. Je vais prendre appel nous. Effectivement, Internet là, on s'est boudé, mais nous ne connaissons pas fortement, monsieur. Je vais compagnon. Si compagnon n'a pas de bon Internet, si toujours dit à 18 novembre, tout le monde chute à la caillou parce que c'est congé en Haïti. Ou que tout le monde sur IPTV, tout le monde sur Facebook, tout le monde a regardé vidéo. Et c'est normal pour nous. Et internet là on tient là comme ça si m'ka prend yon moun m'a prendre mais si m'ka prendre m'a fermer émission m'a prétendre nous tout demain et de bon Dieu moi sur live la fon parler et demain n'a gagner yon invité demain gagner match championnat national k'ap jouer y a commencé à 3h m'passé à 5h là si m'ka gagner résultat m'a porter pour nous mais demain nous va chita son sujet d'actualité et puis m'pa le si moi ka jwenn des images qui pa gen droit sou yo pou m vinn ba nou l'Almay 6-0 nouvelle der dom nan la alors m'la sa regarde la c'est basket nous se trouve l'Almay la der dom nan la moi m'ta ta souhaité que m décortique et puis vinn a un bel sujet pour nous demain et n'ap saluer Mackinson George Frem Ulta fils Ted Phillips te met émission Chapa Wesley Chapa bon répond question là vendredi a gwen Ibo basket spécial qui pour annoncer saison parce que grand pile chute qu'a fait et nous attend nous pour nous faire yon Ibo basket spécial brancher radio Ibo 6h demain. Merci à tout le monde qui était branché choa
yon émission comme ça, c'est pour demain, jeudi 19, et pas oublier jeudi à pour tout haïtien, quel que soit koto yon dans mode là. Pour tout nèg noir, pour tout nèg qui aime liberté, c'est jeudi à vraiment liberté à te commencer dans mode là. C'est jeudi à te bataille pour te mettre français de yon. N'a parlé de la bataille de Vertière, 18 novembre 1803, moins de 2 mois après l'indépendance proclamée en Haïti, et nous pral dit que Tessa c'était liberté liée. Sous besoin de liberté, vin sous Tessa vin Haïti. C'est ça nous fait, dans la date, ça n'a parlé à 18 novembre 1803. 18 novembre, ça, nous pas passer sous silence, parce que Haïti son pays grand pile problème. Moi j'ai l'impression que politiciens nous yo blié si des moun qui étaient sacrifié vie yo pour te rendre pays ça libre, mais malheureusement nèg yo vann pays ça en bas avec blanc. Tout nèg souffri blanc comme son bagay qui dans tête presque tout dirigeant haïtien, vous pensez que depuis que blanc derrière yo, yo ka fait tout bagay même craser pays ça. Merci à tout moun qui était branché. Demain 5h10, n'a prétend tout le monde pour émission comme ça encore avec un invité qui pourrait venir parler boule et son connaisseur à pied. Bye bye et à la prochaine.